je vais, de façon pas très ordonnée, répondre néanmoins aux trois préoccupations qui ont été exprimées tout à l'heure. Aujourd'hui, je viens vers vous justement parce que je veux attirer votre attention sur le fait que le Gabon qui va se faire demain doit se faire en prenant en compte vos opinions, vos intérêts, vos préoccupations. Je viens vous voir par anticipation, je viens vous voir d'avance pour vous dire attention, si vous n'êtes pas debout, si vous ne vous exprimez pas, on risque de choisir un candidat qui n'aura rien à voir avec ce que vous attendez. Je suis en train de vous dire que si vous ne faites rien, vous les Gabonais, si vous ne faites rien, je ne m'inclus pas parce que moi, je suis en train de faire quelque chose en venant vous parler. Eh bien, le choix se fera sans tenir compte de vous. Il y aura des gens certainement qui vont se retrouver dans un hôtel à 25, à 26, à 30. Et puis ils diront, le candidat c'est tel. Ils choisiront, seront les critères que eux-mêmes se sont fixés. Et ils viendront vous l'imposer. Donc oui, il faut, et c'est ce que je défends, moi je dis que le candidat, pour qu'il soit légitime, il faut qu'il soit issu de primaire. Là je vous parle clairement. Il faut que on vous donne la possibilité de vous inscrire et qu'on vous donne la possibilité de voter pour choisir le candidat. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que je pense. Je pense que si nous faisons confiance à ce que nous appelons en guillemets les leaders pour choisir pour nous, je pense qu'ils vont nous servir quelque chose qui les servira mieux, eux, que vous. Naturellement, le choix du candidat est important parce que tous les candidats n'ont pas le même profil, n'ont pas la même personnalité, n'ont pas le même caractère. Il y a des candidats, lorsqu'on va tirer trois balles en l'air, ils seront les premiers à sortir les mains levées pour dire non, ne tirez plus. Moi je reconnais, c'est vraiment toi qui as gagné. Tous les candidats ne sont pas courageux de la même façon. Je dis, nous devons faire attention au candidat qui sera choisi. Le candidat qui sera choisi, c'est mon opinion que je vous partage là. Il y a une chose à laquelle il ne pourra pas échapper. On ne pourra pas échapper ici au Gabon à l'affrontement. Parce que le problème que vous posez au niveau des institutions, de quelle façon va-t-on le résoudre? Vous pensez que c'est par le dialogue? Ça fait 50 ans de dialogue. Les 50 ans de dialogue ont contribué à faire en sorte à ce que les mêmes personnes restent au pouvoir. Il faut que le leader que vous allez mettre devant, que ce soit quelqu'un qui soit capable de mener le combat et d'affronter le pouvoir actuel pour les faire reculer et les obliger à changer les règles du jeu. Moi, ça, c'est mon engagement. J'irai à l'affrontement. J'ai commencé l'affrontement à main nue. Et ce n'est pas alors que vous serez des milliers, des millions, du moins des milliers, des centaines de milliers derrière moi que je vais reculer. On m'a demandé de définir c'est quoi la clique et tout ça, parce que j'en ai parlé. Et on a fait allusion au fait que j'étais conseiller personnel d'Omar Bongo et que j'ai été directeur de cabinet adjoint d'Omar Bongo. Je veux vous signaler d'abord qu'aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'ai 42 ans. Ça veut dire que je suis né en 1972. Quand je suis né, Bongo était au pouvoir depuis 67, mais en réalité bien avant, parce qu'il avait été vice-président, etc. Donc, je dis, quand je suis né, ça faisait déjà 5 ans que Bongo était au pouvoir. Lorsque j'ai eu 20 ans, ça faisait déjà 25 ans que Bongo était au pouvoir. Lorsque j'ai eu 30 ans, ça faisait déjà 35 ans que Bongo était au pouvoir. Je pense que c'est autour de l'âge de 30 ans que j'ai été nommé comme conseiller personnel. Mais vous comprenez que je ne me sens pas comptable de ce que Bongo a fait pendant 50 ans, alors que moi, je n'ai été dans son cabinet que pendant 5 ans.